ne vienne pas couler. Bonjour, madame. Comme elle est belle. Comme elle sent bon. Elle doit avoir du picaillon. Allons comme ça. Nous allons être fondes. Ben... Je vous ai vu passer devant mon pied à terre. Avec votre tracteur, vous faisiez un tel bruit. Je sulfatais ma vigne. Elle est juste à côté. Mon Dieu, quel sacrilège. Nous qui fuyons la pollution. Il vous faudra passer plus loin. J'ai mis une pancarte au milieu du chemin. Propriété privée. J'ai mon cabanon, juste au bout de l'allée. Ah oui, j'ai remarqué. C'est tout au long du lait qui vous sert de toiture. Ça jura trace le verre. Oh, les tuiles revendent. Vous ne l'appréciez pas comme il faut l'apprécier. Je dois me sauver. Allez, au revoir. Prapic, un village. Ici s'arrête la route. Quelques foyers qui progressivement s'éteignent. À peine 20 montagnards. Altitude 1500 mètres, à la source du Drac Noir. Des célibataires, des frères et sœurs vivant ensemble. Rien qu'un village, une poignée d'hommes. Ils étaient une centaine en 1930. À Gap, la plus proche ville, on va rarement. Pour voir le notaire ou acheter de la corde. Orcières-Merlette est à une heure de marche. Là-bas, les enfants rient avec la neige. Les amoureux donnent visage à l'espoir. Ici, l'immensité de l'herbe, de la pierre et de l'air. À la lisière du parc des Écrins, à la lisière de Tours, rien d'insolite, aucune magie, pas de folklore. Défiance et défi d'un destin difficile. Solitaire, solidaire. Les corps ont de la rugosité, mais le geste, le regard, la voix,
cachent des tendresses simples et profondes. On a acquis l'habitude de subsister. Recette pour tresser le panier, charger la bête, faire la trousse, comme on dit. Et alors, vous êtes né quel jour, quelle année ici, alors? En 96, le 11 juillet, à 2h du matin. J'y étais à 2h du matin. Et je pesais une livre. Dans cette maison, je suis né. Là, 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 dans cette maison, là, où nous sommes. Tous nous sommes nés là. Oui. Et alors, vos frères et sœurs, au fur et à mesure qu'ils grandissaient? Eh bien, on allait d'un côté et de l'autre. Mon papa les plaçait pour domestique ou petit berger d'un côté et de l'autre. Ah, oui. Oh, on les gardait avec nous autres. Puis voilà. Et mon pauvre papa faisait le forgeron. Il travaillait, il faisait le forgeron, il forgeait pour toute la commune d'Orcières. Pour 40 à 50 jours par 50 sous par jour. Eh oui. Et moi, j'étais le dernier, je me savais bien des autres, vous comprenez. Et vous aviez à l'école à Papique? Oui. Il y avait une école à Papique? Ah, il y avait l'école, il y a le curé. Ça a été tout bien monté ici. Je vous dis, nous étions comptés 17 enfants à l'école du moment que j'étais, ou 27, je ne m'en rappelle plus. Ouais. C'est 17 ou 27, j'avais contrôlé le cahier des instituteurs, là, après... que c'était grand, quoi, que j'allais plus à l'école. Mais je ne peux pas vous dire, c'est 17 ou 27 que nous étions une fois. Et vous étiez un grand chasseur de chamois? Ah, moi, grand chasseur de chamois. Grand braconnier, parce que je touchais la retraite du braconnier. Les gendarmes me disaient, vous étiez grand braconnier. Oui, je touche tout. C'est celui-là qui me disait. Il nous en dit toujours quelqu'un. Ah oui. Ah. Oh, mais bien sûr, il n'y avait pas de garde ni rien du tout. Puis après, quand je suis parti, après 1915, quand je venais en permission, à n'importe quelle date, ma permission me servait de permis de chasse. Alors j'allais à la chasse un peu partout, les 7 ou 8 jours que j'avais de permission. Personne n'avait rien à me dire. Eh bien, maintenant, il faut se tenir, et puis voilà, je ne vais pas. Quand je vois l'hélicoptère passer, qui fait son voyage en 5 minutes, que nous, il fallait la journée pour faire le trajet, quoi. Pour rentrer. Tout se dégrade, les murs, les mains. Ces mains encore habiles pour la moisson avare, le pain à cuire, la brebis à soigner. Des mains qui se refusent à être inertes. Une vie qui s'accroche, une vie tenace qui chemine dans les sentes,
avec trop de souvenirs, trop de passé. Une longue et patiente endurance, une façon terrienne pour ces gens de vieille terre de garder un patrimoine de vent et de silence. Des exilés qui ont toujours été là. Le temps qu'il ne fera jamais plus. Hier, mon frère est parti, et alors tous les deux, on est allés, on avait bien de la peine, on a bien pleuré, notre neveu nous a bien consolés, il est vite parti pour que ça se finisse. Et alors, on a eu des nouvelles, il a été opéré hier soir, et il était très content. Mais mon neveu a passé la nuit avec lui. Alors, n'avez pas de soucis, il reviendra bien guéri, je crois. Nous avons été tout le temps ensemble, la guerre nous a séparés de 14-18, puis encore celle de 40. Alors, ça fait que maintenant, quand on se quitte, on est bien malheureux. Il a été opéré de la cataracte, de l'œil droit, et puis l'année prochaine, il se fera encore opérer de l'autre. Alors comme ça, c'était un grand chasseur, ça lui faisait de la peine
de rien voir, car lui, pour aller à la chasse, surtout pour les neiges, il était très content. Mais maintenant, avec le parc, il faudra quand même qu'ils se tiennent. Nous avons les gardes tous les jours, après nous autres, par le village. Et on était plus heureux avant que maintenant. La neige va venir comme des éclats de silence dans l'épaisseur du roc. La vie, herbe folle entre les pierres, feuilles tombées comme des brisures de jour, la vie traversée, transmise, abandonnée. Il fait trop dur de vivre. Les jeunes sont partis. Décembre au pied blanc s'en vient. En de neige, en de bien. Je mets la farine et puis je repétris le levain. Le levain de la dernière fois qu'on a fait le pain. Et alors, il a séché et je l'ai repétri, bien m'être trempé dans de l'eau, et je l'ai repétri pour le faire, le renouveler. Il l'aura levé, il l'aura gonflé. Et après, je le pétris pour faire le pain. Et je le laisse encore lever 2 heures. Et après, je fais mes boules, et puis après, je fais les flûtes. Mes parents le faisaient. Moi, j'ai continué à le faire. J'étais toute jeune qui m'avait appris à le faire. Pendant la guerre de 14, on en faisait pour les voisins, on en faisait pour plusieurs. Lorsque j'ai pétri, que j'ai fait les boules, mon fils va allumer le four. Il le chauffe, puis une fois qu'il est chaud, que c'est tout prêt, le pain est tout prêt. On le porte là, sur des planches. Ça fait rien ici, il est cuit. Celui-là, il manque de cuisson. Oui. Non, il ne manque pas. La neige enferme, ensevelit ceux qui luttent encore. Donc la reine, bon ben voilà, on tombe une fois par an. On vend la reine une fois par an et elle est ramassée par un syndicat fin mars, début avril ou fin avril, ça dépend. Et notre reine, on la livre comme ça, elle est classée par plusieurs lettres, par qualité. Mais seulement, on la vend à un prix très minime. On l'adore, enfin on ne peut pas dire qu'on l'adore parce que... Mais quelqu'un qui fait tendre ses bêtes et qui paie un tendeur, ça paie même pas le tendeur. Vous voyez, la laine, disons, on la donne, quoi. Et elle est payée 6 mois après ou un an après. Et...
C'est les coques, c'est ça. Si ce n'est pas une sortie. T'as pas peur, tu peux y aller. Moi, je suis dans les années. Avec de la chance. Les années 20, c'est très cher. Si on ne met pas les choses à leur place, vous vous rappellerez que je ne... Qu'est-ce que vous en faites après de ce panier? On s'en sert pour y mettre des patates. Des patates dedans, des... N'importe, des fois, prendre des choses pour faire une tière aux brebis ou... Pas sur le chou. Enfin, on s'en sert surtout pour les légumes ou de ce que tu dis. Et puis enlever des pierres par les prés aussi, ça nous sert. Vous allez aller chercher loin ce bois? Oh non, bon, il est dans le... Ça pousse autour des torrents. Eh ben, pareil. Hein, il faut que tu prennes ces deux-là avec. Pas ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, M. Moynier? Je suis en train de faire une paillasse. Une petite paillasse. C'est mon occupation pour, pendant les heures creuses de l'hiver. Pour faire une petite paillasse, vous voyez, là j'ai presque fini. Il faut encore un tour, au moins. Il me faut environ de 6 à 7 heures de travail. La matière est constituée par la paille de seigle. On récolte dans la région et puis du rotin pour tresser cette paille. Dans le temps, on se servait de ces grandes jarres pour mettre du grain à la ferme. On appelait ça des boundes dans le temps. La solitude, elle est bien comme la neige. Elle colle aux pieds, elle est partout comme un hiver absolu. Quatre saisons d'incertitude, de lutte cachée et glacée. De filer la laine des moutons, la laine de nos moutons, que nous faisons la tente au mois de janvier. Après, on lave la laine
On la fait sécher, puis on la garde, on la prépare pour la filer. Et on la file pour faire des chaussettes et des tricots. Parce qu'avant, on la faisait garder à Saint-Firmin, à l'usine de Saint-Firmin, pour qu'elle soit plus facile à filer. Homme des cimes, homme de racines, gardien de neige. La vie blottie aux frontières de l'impossible. À 2 kilomètres, Merlette, là-haut. Une foule en vacances avec ses lumières, ses joies et ses peines. La vie y est plus facile et aux jours inactifs de l'hiver, Jean qui habite et travaille toujours à Prapic, Jean devient moniteur de ski. Vers Laval, vous voyez, ça nous fait porter le poids du corps sur la jambe aval. Hein? Pour déraper, il faut porter bien le poids du corps sur la jambe aval. Là, voilà, regardez. On fléchit les genoux, là. Vous voyez, si je tourne mes genoux vers Laval, comme ça, je dérape. Je pousse légèrement avec le bâton. Sa sœur, Marie-Josée, travaille au syndicat d'initiative. Près du Bébé, c'est un double hexagone comme en bas, c'est un petit peu plus haut de ce qu'on attend pour du Bébé. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. De Prapic aussi, les jeunes sont partis à la guerre. Un trou, des trous, le sang des jeunes comme une offense au printemps.
et les vieux au pays qui se demandaient si l'ennemi n'avait pas empoisonné les sources. Toutes les sources. Le bavard Prapicois numéro 1 du 5 mars 1904. Journal local, socialiste, littéraire, humoristique et mondain. Hippolyte Doma, rédacteur en chef. Le journal paraît le 1er et le 15 de chaque mois. Rédaction, administration, Prapic d'Orcières, Hautes-Alpes. Amis lecteurs, le bavard Prapicois sera le journal du prolétariat. Il sèmera les idées sociales et sera le porte-parole des victimes du capitalisme. De tous ses poumons, il criera « Vive les travailleurs !» Et sa devise sera « Le gouvernement des travailleurs par les travailleurs ». Faccio però questo. Oui. Tu faccio qui in mangiare. Appena tu un sacco. Alors, cette journée d'élection, là, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Non, que voulez-vous qu'on en pense? On les aime bien tous, mais on ne peut pas savoir de quel est-ce qui fait le mieux. Je crois que ce sera serré. Moi, d'après moi, ce sera serré. Mais alors, vous avez la visite de temps en temps de votre parlementaire. Vous le connaissez bien, votre parlementaire? On le connaît, oui. Il est venu plusieurs fois au village. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'intéresse au village? D'après lui, il dit qu'il s'y intéresse, mais on ne voit pas qu'il fasse souvent quelque chose. Oui. On ne reconnaît pas trop ce qu'il fait. Les 38 brebis, 2 chats, Bruno le chien et le cheval. Eh bien voilà, je suis pratique de naissance, je n'ai jamais quitté ma maison. Je suis très heureux de garder mes bêtes, de soigner mes bêtes, j'ai l'amour à mes bêtes. Et puis de discuter avec mes voisins là, des fois boire le petit canon, une petite chopine, ça,
ça peut pas tuer non plus. Et puis en même temps, on peut encore allumer la cigarette, mais c'est pas tellement nécessaire. Mais comment vous vous appelez? Giraud, Jacques. Je suis né le 21 janvier 1923. Dans cette maison. J'avais été bien chétif. Ma pauvre mère, peu chère, avait bien aussi souffert pour m'élever, parce que j'avais passé une petite maladie, et puis j'étais pauvre dans le temps. Et si je vous disais qu'il m'avait même tenu à la chaleur des bêtes à l'écurie pendant un mois, pour me pouvoir. C'était le docteur dans le temps, de me tenir dans l'écurie. C'était pas une chaleur naturelle. Elle était naturelle, mais c'était même pas naturel. La chaleur, c'était même pas... Comprenez. Et enfin, bon, ils étaient pauvres, chers. Et on était nombreux dans la maison, il y avait des bouches à manger. Combien vous étiez? Oh, je me rappelle de 12 à table. Sur le à manger au pétrin, bien sûr. C'était pas à cette table encore là, mais on mangeait 12 sur le pétrin là-bas. Hein. Alors le pétrin, vous voyez, eh bien, oh, maintenant on achète le pain, il coûte cher, ma foi, ça enlève du travail. Mais on pétrissait la pâte dans le pétrin, au levain, naturel. Et puis après, il fallait aller allumer le four au charbon de bois. C'était très naturel. Puis alors, dès que le four était chaud, le bois était tout brûlé, on avait déjà fait le pain, on faisait des pains ronds dans le temps. Voilà, je vis seul dans ma maison, mais je suis bien entouré, mes voisins m'aiment beaucoup, on est fraternisé quoi. Je fais ma pâte pour faire des tourtons. C'est une spécialité du pays. Et dans ma pâte, je mets ma farine, je fais un puits, je mets un œuf, du beurre et un peu de sel doux. Une pincée de sel. Ensuite, je pétris avec du lait. Une fois bien pétri, pour que ça s'étale très bien, eh bien, j'écrase mes pommes de terre, je fais une purée où je mets un œuf également, de la crème, du gervais et du fromage de chez nous, du gruyère, n'importe. Étaler la pâte, c'est dur. Les tourtons, c'est quand même le plat traditionnel de Trappes. Mais c'est-à-dire, non, c'est un plat traditionnel du Champsaur, vous voyez, remarquez, c'est pas qu'à Trappes qu'on fait des tourtons. Loin de là. Puis maintenant, ça se répand beaucoup, même à Gap, on en fait. Allez, je mets des petits carrés de pommes de terre et je détourne ma pâte dessus et je coupe à la roulette. Aujourd'hui, 5 mai, fête d'érogation. L'hiver n'en finit pas. C'est la deuxième messe de l'année. Mais le mauvais temps ne permettra pas, comme le veut la coutume, d'aller en procession planter les petites croix dans les prés.
que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende abondamment sur les maisons et les champs, sur tous les biens de cette région. Seigneur, je vais partir pour le travail que tu m'as confié. Tu m'as chargé de nourrir cette famille. Tu m'as fourni des champs et des graines, du soleil et de la pluie. D'autres m'ont fabriqué des outils et des machines. Tu m'as donné du courage et de la santé, l'expérience de mes pères et ma science de tous les jours. Il faut travailler dur. Je reviendrai ce soir fatigué. Je ne pourrai peut-être pas te dire de grandes prières. Mon travail exige trop d'attention et beaucoup d'efforts. Mais il multiplie la vie et rend le monde plus beau. Père de toute abondance, rends fructueux le travail de mes mains. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et merci. Le curé a rangé ses missels. On a fermé l'école, fini les ancêtres gaulois, plus d'enfants, rien que le ciel, l'opacité des choses que n'éclaire plus le sourire d'un gamin. Être au bout de la vie, vivre une vie usée, éreintée, vivre à bout de force. Homme des origines, fabriqué avec de la sève et de la brume, il résiste à la plainte du temps. Vivre une vie de proscrit, avec la liberté dans le sang. Oh, Kiki. Là. Oh, Kiki. Amène-la à travers, ouais. Espera un moment, que Charzou. Charzou la Charde, la première. Et puis amène-la à travers. Oh. Kiki. Marche, allez. Après l'hiver, redécouvrir l'odeur de la terre.
Avoir le monde en soi comme un caillou, comme une fleur. Être de vieux enfants. Du tabac, vous en avez? Oui. Du pain, vous en voulez, du pain? Une flûte. Une flûte? Oui. Elles sont encore... Les tomates, c'est les tomates de pays, toujours. Là. Ah là, oui. 680. Mais oui, mais j'ai même pas pu achever celui de Charles Marron. Là, je tiens une fois, c'est du tout. À la pomme. Compote. Oui, compote. C'est pour une fois. Un litre d'huile, j'en ai encore, mais j'en ai pas tellement. Jouer avec ses rêves, assembler ses souvenirs comme on chante une berceuse. Un poète prapiquois repose sous ce rocher. Être ensemble. Passer devant le cimetière et penser aux anciens. Accompagner le voisin dans la froideur du sol. Thank you.
La fête va revenir, comme chaque année à la Sainte-Anne. C'est un peu la fête des autres à observer de loin. Il entendra les enfants rire, les enfants d'ailleurs, les enfants provisoires. Marius s'éloignera. Marius, dans ton vieux corps de montagnard, douce comme un soupir.